Si vous avez une minute, je vais vous expliquer quelques règles qui concernent le bloc des 60 premiers crédits d'un programme d'études de bachelier. Le nombre de crédits acquis au terme de cette première année aura une incidence importante sur la suite du parcours. Un étudiant qui acquiert tous ses crédits aura accès, c'est logique, à la suite du parcours. Les unités du bloc suivant lui seront grandes ouvertes. Un étudiant ayant acquis moins de 30 crédits ne pourra pas l'année suivante accéder à des unités du bloc suivant. Un étudiant qui obtient entre 30 et 44 crédits pourra, l'année qui suit, tenter d'achever sa première en anticipant des UE du bloc suivant. Il lui faudra cependant l'accord de son jury et son programme ne pourra dépasser 60 crédits. Un étudiant qui obtient entre 45 et 60 crédits est admis à poursuivre au bloc suivant, mais devra acquérir les crédits oubliés en chemin, les crédits résiduels. Certains prérequis lui seront potentiellement fermés. Acquérir 45 crédits n'équivaut donc pas à réussir son année. Attention à cette illusion qui confronte de nombreux étudiants à une deuxième année trop ambitieuse. Constituer son programme de cours est tout un art, mais ça, c'est une autre histoire.